Vous voyez, on est plein de surprises ici dans ce théâtre éphémère. Éphémère, oui, peut-être, mais en tous les cas, elles sont toutes les deux ravissantes, charmantes. Une est véritablement russe. Hein. Et elle me dit oui avec un accent merveilleux. Et alors la deuxième... Non, attendez. La deuxième, elle parle un français courant. Elle habite Avignon, c'est ça, hein? À Nice. Oh, vous venez de Nice, c'est vrai? J'ai fait ma formation à Paris et maintenant j'habite à Nice. Quoi, du côté de l'impérial? Tout à fait. Oh, mais je connais bien. Ça fait 21 ans que j'habite en France. Bon, on va en parler. Bon, alors dites-moi. Alors, pour nos amis auditeurs, je voudrais vous préciser que ce sont les deux pianistes qui ce soir ont fait, bon, soit du solo avec nos chanteurs, soit un quatre-mains absolument parfait. Hein. Ben bien sûr, sinon je vous le dirai pas. C'est un petit secret. Dans le programme, c'était un autre morceau annoncé, mais finalement, on a testé et on a préféré celui-là. Et bon, avec le retard, le discours au début, on n'a pas fait d'annonce. Donc, on se dit, ceux qui connaissent, ils vont deviner que c'était la fantaisie sur Faust de Burgmüller. De Burgmüller. Mais oh, ben, c'est très difficile à dire. Écoutez, franchement, vous êtes des musiciennes formidables et vous êtes accompagnées par des chanteurs et des chanteuses remarquables. C'est ça qui est important. C'est les chanteurs qui sont en Bon, dites-moi, attendez, non mais c'est pas grave. Dites-moi, vous venez d'où en Russie? Moi, je suis née au Kazakhstan. Kazakhstan. J'ai fait ma formation à Minsk, le conservatoire supérieur de Minsk, en Biélorussie. Et ensuite, je suis venue à l'école d'opéra de l'Opéra de Paris. Alors, ça fait 21 ans, c'est ça? Oh là là, mais vous êtes tellement belle. Ça me fait plaisir de vous voir. Je vous raconterai pourquoi. Allez, merci à tous les auditeurs de Radio Friendly. Ah, c'était une soirée absolument formidable avec des compétiteurs, j'allais dire, de la musique, de la chanson et des jeunes remarquables. Merci, à très bientôt. On va revenir à tous. Hein. Allez, on peut les applaudir peut-être. Allez-y.